Oyez, oyez, peuple. Je suis de retour, oui, le roi Sora est de retour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous juger. Non, je vous ai déjà jugé. Mais ça ne saurait recommencer. Bref, bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment un roi est censé diriger un peuple. Des paysans, des gens de toute classe vont venir me voir pour une audience. Parce que je suis gentil, hein. Même si là, je me suis rasé un petit peu trop, du coup on dirait que j'ai 12 ans, je fais un petit peu Geoffrey Lannister. En plus gentil quand même, parce qu'il était pas très très gentil. Bref, je suis un roi aimant son peuple et j'accepte leur audience. J'accepte de les entendre, après est-ce que je vais accepter leur demande? C'est une autre histoire. Je vous propose... C'est quoi déjà? Ah oui! Je vous propose d'y aller, je me suis fait super... Oh, je vous propose d'y aller, Zebardi, pour les audiences du roi Sora. Alors, Royal Advisor, évidemment c'est de l'anglais, mais vous connaissez mes grands talents en anglais. Je n'ai plus rien à prouver. My Lord! Ça veut dire mon roi, mon seigneur. Parce que j'aime bien qu'on m'appelle comme ça, hein, on m'appelle toujours comme ça. Hein, tu m'appelles comme ça, Céline, hein? Pas du tout. Ouais, je me suis peut-être un petit peu trop emporté. Jessica, qu'est-ce que tu me dis là? Je vais vous aider pour les rois, les règles de votre royaume. Mais en gros, je dois faire des choix, je dois juste dire oui ou non. J'ai compris, y a rien de compliqué. Hop là, oui. Première audience. Mais alors par contre, monsieur esprit, qu'est-ce que tu fous dans mon royaume? Est-ce que c'est ça derrière mon royaume? Ah, je suis un peu déçu quand même. Hein. Est-ce qu'en gros j'ai besoin de services, de hantises, qui peut pour un petit prix faire peur à certaines personnes? Non, je n'ai pas besoin de ça. Tu es une copie mauvaise de Fantominus. Tu es d'ailleurs pas très beau. Au revoir. Par nouveau. Les gars, je peux avoir un mec normal ou... Jester, donc c'est le bouffon du roi, le Joker. Il souhaite faire un show, ok. Il a besoin de fonds pour ça. Et moi, je suis un roi aimant. Si quelqu'un a besoin d'argent, eh bien, je lui donne pas, mon gars. C'est mon argent. T'auras... Quoi? Vous êtes pas content? Eh oh. Pire argument du monde. Mec, eh oh, c'est ma thune, ok, d'accord. On se détend, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? En gros, il y a un enfant qui court autour des rues ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on le force à prendre une douche? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis un roi. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que j'ai l'air joyeux là? Non, pas des masses. On dirait qu'on a tué ma grand-mère, mon grand-père, ma famille, mon arrière-famille, ma belle-famille. Je sais pas ce qu'on m'a fait là, mon gars, mais je suis pas dans mon bon jour. Hein. J'ai refusé le bouffon. Je vais quand même le laisser prendre un bain. Quoi? Comment ça, il est pas content? Mais va te faire! J'ai pris mon temps pour te donner une douche et tu refuses! Mais mec, on est où là? On est où? Yeti, quoi, Yeti? Maman a dit que j'ai besoin de permission pour partir à l'aventure. Est-ce que tu peux? Bien sûr, cache-toi, les gars. T'es content? Bah, très bien. Allez, moi aussi, je suis content. Le jour 1 est complété. Au final, on a gagné 0 argent, on a gagné 0 population, on a perdu 1 de bonheur. Mais quel bilan incroyable! C'est que le début, vous inquiétez pas. Hey, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Et je vais vous montrer que mon royaume. Non plus. Alors, Butler, je sais pas qui c'est. Il y a une pareille, une fête, je sais pas quoi. Est-ce qu'en gros, il peut prendre sa journée? Prends ta journée, paysan. Mais pars d'ici. Je ne veux plus te voir. Ensuite, mais mec, mais à un moment, ça n'a aucune logique, là. Est-ce que vous avez déjà vu faire un trésor, faire un backflip? Non, jamais. Ok, il va le faire. Nope. Quoi? Ou alors... Le général des armées. Ah, lui m'intéresse. Alors, un de ses prisonniers a été assez échappé. Du coup, est-ce qu'on pourrait offrir de l'or en récompense pour le capturer? Oui, tu peux. Les gens seront contents. Voilà. Les gens sont contents, mais j'ai perdu 50 pièces d'or. Aïe. Alors, non, mais les gars, mais mec, mais... C'est quoi ça encore? Regarde ta tête et regarde ce tatouage qui est fort sympathique. C'est faux. Mec, tu viens, t'as un poignard. D'où dans les terres c'est rentré? Alors, je suis Black Smith, j'ai envie de créer une boutique ici. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, hop, 3 mecs en plus et 2 de bonheur. Et je vous avais dit que j'étais un roi exceptionnel ou je vous l'avais pas dit? Ensuite, une voleuse, what the fuck? Est-ce que vous voulez, en gros, que je vole des riches? Et je crois qu'elle dit pas que les riches, mais un peu tout le monde. Non, je suis pas un roi comme ça, moi. Eh, j'ai des valeurs, madame. Je suis super mal. Allez, dégage. Journée numéro 2. Eh, population plus 3. Bonheur plus 8, on a juste perdu pas mal d'argent. My lord, pire accent. Il a quoi? I wish to embark upon a treacherous quest. Ah, j'ai pas compris, mais prends, gros, prends. Pour le royaume. C'est ce qu'il a dit. Mec, c'est Dracula, pourquoi il s'appelle Lil Fang? Est-ce que tu veux un spooky nickname? Quoi? Bon, allez, fais-toi, donne-moi un spooky nickname. Tu peux être The Creep King, qui veut dire... Ça, je le savais. Hein. Est-ce que tu penses que les gens pourraient arrêter de m'appeler Slimeball? Non, je n'ai rien à foutre! Quoi? Moins 3?
Allez, dégage. Là, t'es moche. Toi, t'es de retour, toi, tu t'arrêtes jamais, toi. Mais dégage, arrête de faire le forceur. Eh, super, maintenant, on a Gandalf qui arrive. Mais mon royaume, il est composé de tous les cassos et tous les mecs bizarres de la planète, c'est pas normal. D'ailleurs, on n'a pas donné un nom à notre royaume. On va l'appeler Kingdom Sora's Kingdom. Je suis allé le chercher loin, ouais. Ou alors... Oh non, c'est bien ça. Alors apparemment, c'est un magicien, il passe juste par là. Il peut faire un tour de magie, mais ça peut être bien comme ça peut être mauvais. J'aime la chance. Je suis joueur. Ça me saoule. Pourquoi est-ce que j'ai jamais de chance? Oh, ma couronne. Rassurez-vous, elle va bien. J'ai tout perdu en un mec, mais... C'est pas facile d'être un roi, ok? Je fais ce que je peux. Est-ce que t'as vu ta tête? Mec! Est-ce que j'aime le rythme? Allez, j'aime le rythme. J'espère que tu vas être content. T'es content? Parfait. S'il te plaît, un mec normal. Eh ben voilà, magnifique! Alors, les conditions de travail sont quoi? Sont pas suffisantes? Est-ce que j'ai la tête d'une banque? J'ai des pièces d'or par terre? Alors, je peux tout expliquer, d'accord? C'était parce que... Oh, allez, c'est bon, ok, allez, vas-y, bouge. 40! T'es revenu, toi? Quoi? T'as une autre soirée? Allez, permission, fais ta soirée. Est-ce qu'au final, on me considère ici? Moi, j'aime mes sujets, ok? Je vous aime. D'ailleurs, si vous m'aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très très plaisir. Mais qu'on rate pas une occasion. Non, et voilà, un pouce bleu égale une pièce d'or. Ça me fait plaisir. C'est moi qui régale, ça me fait plaisir. Alors, attention. Allez, on va dire oui. J'étais à l'œil, hein. Redonne-moi de l'argent, s'il te plaît. Merci! Ah, est-ce qu'on retente notre chance? Eh, on frotte la couronne. Et oui. Oui! Merci! Alors là, mais on est grave bien là! 200 pièces comme ça d'un coup! Ok, Georgie, c'est un truc qui s'appelle Georgie. Il veut balancer une pièce, il joue à pile ou face. Et soit c'est pile et je lui donne de l'argent, soit c'est face et en gros, il récupère des âmes humaines. Je frotte la couronne. C'est un oui. Tu m'auras pas servi longtemps, toi. Hein. T'es quoi, Timmy? Mais il s'appelle vraiment Timmy en plus, mais c'est incroyable! Eh, quand je vous ai dit que je connaissais mes sujets, ok? Magnifique, il est content. Ah, le chevalier est revenu. Plus 250! Eh, mais mec, un truc là comme ça qui revient, qui me fait plaisir, qui me remonte le moral, 560 d'or, et on est pas mal, hein? Me dis pas que t'as encore une fête, toi. Mais en fait, tu fais ton taf quand, gros? Allez, repars. Au moins, ça me fait un petit peu de bonheur. Toi, t'es content, au final, vous êtes content, on est content, je suis content. Très bien, tout va bien. Les gens ont fait une pétition pour ban les ananas de la cité. Il y a les gilets jaunes, ils sont en train de manifester pour des droits, je sais pas quoi. Il y a les femmes qui manifestent pour l'égalité des sexes, je sais pas quoi. Vous faites une pétition pour quoi? Les ananas? Qu'est-ce qu'on a à foutre des ananas? Mais soit, j'aime pas non plus les ananas, ça me donne des aftes. Allez. De quoi, moi, 10 pièces? J'accepte, peuple. Par contre, pourquoi est-ce que mon truc est derrière, là, est de plus en plus réduit? Mais vous étonnez pas qu'il n'y ait plus personne dans mon village. En même temps, regardez qui compose mon village aussi. Il s'appelle Mulder. Si tu vas prendre la vérité, toute la vérité, il faut ailleurs mis. Alors, bon, tu sais quoi, je sais pas ce que ça veut dire, mais allez, je te ailleurs. 10 pièces, eh bah, super. Il va aller investiguer. Eh bah, investigue. Oh non, pas toi. Non, pas toi. Non, je veux rien. Je veux rien, gros. Je veux rien. Mais je veux rien, j'ai dit. Non, mec. Oh super, maintenant on a Robocop, qui t'y a LD334, hello, je suis machin, blablabla, est-ce que je peux le réparer? Allez, je te répare, ça me fait plaisir, bam. Moins 100 pièces pour une réparation, mais mec, mais où va le monde? Je suis le pire roi d'Europe, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Une pétition? Et en gros, il faudrait mettre un cirque, je déteste les cirques, ok? Donc je dis non, mais les gens vont pas être contents, donc je dis oui, mais je déteste les cirques, hein. J'adore les cirques! C'est super, j'adore les cirques, hein, j'adore ça. Allez. Par Jessica, tu m'as régalé. Qu'est-ce qu'il y a Dracula? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Care to guys into my magical vampire? Pff, allez, je te dis oui parce que ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir du tout! Ah, il voulait dire l'avenir et il voit la mort et la misère. C'est la vidéo qui est en train de prendre un tournant miséreux là. Vraiment. Alors, une sorcière maintenant, super. On a une sorcière dans la sorcière, magnifique. Les esprits, ils apprécient l'argent. Et comme ça, ils viendront pas nous hanter dans le futur. C'est quel genre d'esprit ça? Depuis quand les esprits, ils aiment la thune? Depuis quand, mec? Les esprits, je les vois comme ça maintenant. Allez, les gars! Alors, j'ai plein de thunes, donc moins 200! Et toi, t'es de retour encore, c'est bon! Non, c'est bon, une fois, j'ai déjà vu ta truc de cristal, ça pue la merde. Alors, toi, mec. S'il te plaît. Allez, yes, mon gars, je me retourne. Attention. Yes, mon gars! Ça me fait plaisir. Je t'aime, le magicien. Le coffre, je dis toujours oui. 100 pièces contre 5 vies humaines. 5 vies humaines, 100 pièces. C'est pas rentable. Alors, Satan, super. Non, je ne veux pas t'échanger de l'or contre des âmes humaines. Je suis pas comme ça, mec. Est-ce que j'ai déjà été comme ça? 100 pièces contre 5 vies humaines. 5 vies humaines,
Magnifique, on a Mastune. Aimez-moi. Et toi, tu m'aimes? Ouais, je m'aime aussi, y a pas de problème. C'est vraiment pas bien de faire des montages mensongers comme ça, ok? Mais regardez comment notre ville, elle grandit, c'est fou. Toi, tu veux quoi encore? Allez, c'est la fête. Allez, si tu veux, bam. Mec, vraiment, 400 pièces. Mais tu te les fous où, les pièces? Tu te les fous dans le c***. Et bouge, dégage. 40 pièces en plus. Tu veux faire une taverne? Ah, tu sais quoi, j'en ai pas, après. Fais ta taverne, gros. Allez, 200 pièces, bah oui. Mais toujours plus. Un alien, mais il manquait plus que ça. You haven't been thinking to Skelly have owned you. Oui, allez, j'ai parlé à Skelly. 50 pièces, ah, ça me fait plaisir. Les aliens sont plus gentils que mon propre peuple. Il y a un problème à un moment. Ouais, les esprits, je leur file de la thune et comme ça, ils sont contents. Allez, hop là. Meanwhile. Yes, mon gars. Désespoir et damnation. T'es mignonne, toi. Tu veux une boutique de soupe? Tiens, ta boutique de soupe. J'ai plus d'argent pour toi, grand-mère. Au revoir. T'es pas contente, hein? Comment ça? Le karma va tomber? Mais non, pas du tout, regardez ça. Hop là, parle. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on est mauvais, on gagne. Maintenant, je vais être mauvais. Je vais être diabolique. C'était qui, toi? C'est quoi tes cheveux, mon gars? Monsieur Mouton, bah j'allais t'appeler comme ça, mon gars. Est-ce que tu veux un barbier? Allez, barbier, montre-toi. Allez, une personne en plus? Magnifique. Tu veux quoi, général militaire des armées de je sais pas quoi? Il a été recapturé? Le criminel a été capturé. Vous voyez? Le karma arrive sur moi. Merci! Alors, t'es de retour, toi, encore? Les aliens, ils ont je sais pas quoi dans la city, je sais pas quoi. Est-ce que c'est safe? Ouais, c'est safe, je les aime bien, les aliens, c'est mes potes. Voilà, vous voyez, plus 7. Un chat. Miaou! Apparemment, il veut... Eh, hey, dégage le chat, dégage. Le karma va me sourire, ok? Il faut que je sois méchant. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez! Ma cité grandit. Oui, et tu veux partir? Pars. Mais pars. Non, je vais pas me faire avoir encore une fois. Hein. Allez, c'est parti. Enfin, mec, enfin, au bout de 3 fois, mec, la chance. Mais je vous ai dit, j'ai été méchant avec la grand-mère. Il fallait être méchant avec les grand-mères. La morale de cette vidéo, c'est soyez pourris avec les grand-mères. Et c'est ça qui... C'est horrible. C'est affreux. Quelqu'un m'appelle au téléphone. Allô? Je suis un mauvais roi. Parce que mon peuple, ils me prennent mon argent. Est-ce que tu crois que je devrais être plus méchant avec eux? Sois gentil avec ton peuple. Ok. Bah, je vais t'écouter, je vais être gentil. T'es qui, toi, Madame Abeille? Ah, mademoiselle parle français. My name is Madame Abeille. Tu veux venir? Allez, viens, ça me fait plaisir. J'ai pas de femme, justement, je me sens un petit peu seul. On sera le roi et la reine. Bah, logiquement, au final, hein. Encore toi? Non, toi, jamais. Toi, d'être quoi? Il est content? Ah bah si il est content, mais voyez, mais le karma est incroyable, c'est fou. Ah mais la cité elle grandit encore, mais c'est fou, mais c'est incroyable. C'est qui toi, petite souris? C'est quoi, je te dis oui, parce que tu me fais rire. C'est tout? Rien? Ok, très bien. Quoi? Quoi? Bouh, give me your gold, or quoi, je te donne mon or, ou tu bouffes les villes, la ville? Mais bouffe la ville. Mais j'ai dit oui sans faire exprès, je voulais pas. Je voulais dire oui, bien sûr, je voulais défendre mon peuple, hein. Au final je veux défendre mon peuple, Super, on pourrait crafter une épée de la puissance de la mort. Bah tu sais quoi, vas-y, allez, ça me fait plaisir. Mais c'est un scandale là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais qu'est-ce que... Et mon cirque, il est moins 710 d'argent. Allez, donne-moi une bonne nouvelle, s'il te plaît, je te dis oui. Eh, il faut faire ce qu'il faut, d'accord? Toi aussi, je te dis oui. Je te dis oui. Maintenant, je dis oui à tout le monde. D'accord, plus de 100 pièces. Mais c'est génial ça, attendez. Je tiens un truc, je crois. Je te dis oui. Plus ça, mais mec, attends, je te dis oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis oui à tout le monde. Oh, il est réparé. Incroyable, je te dis oui. Mais mec, mais en fait, c'est gentil, qu'il fallait être gentil en fait. Hein. Ma cité regrandit un petit peu, je suis content. Vous savez quoi? Il va décider du sort de cette vidéo. S'il y a quelque chose de bien, on continue. Quelque chose de mal, on arrête. Ma couronne est entre tes mains, sorcier. Je la mets là. Ça tient pas. C'est parti. Je dis oui à tout le monde, ça marche. Regardez, je dis oui. Bon, là, ça marche un petit peu moins, c'est vrai. C'est incroyable. Ok, monsieur Mouton, je te dis oui, toi, je te dis oui. Ça, j'ai même plus, y a même plus besoin d'analyser quoi. Je dis oui et c'est bon, les gens viennent, ils me donnent de l'argent, c'est incroyable. 18e jour et regardez-moi ça, on est 242. Le truc, mais c'est incroyable. Les amis, mon royaume est incroyable, mon royaume il est impeccable. On va s'arrêter ici, je sais, j'avais dit que je continuerais, j'ai un petit peu continué. Bon, j'avais 3 personnes, mais je pense que là il faut partir sur une bonne note. Mon royaume est beau, mon royaume est puissant. Mais tout ça. C'était de la fiction. Je sais, vous êtes déçus, moi aussi. J'aurais aimé être roi, les amis. Je voudrais déjà être roi. C'était moi qui chantais ça quand j'étais petit. Sauf que quand j'étais petit, j'étais un lion. Ça se tient, ok? Ça se tient.
J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. C'était marrant hein, j'ai fait un peu au feeling, mais c'était plutôt rigolo comme jeu. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça sonne chez moi hein. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez, abonnez-vous, tout le reste, je vous fais des bisous. Ciao ciao les amis. J'arrive.